Les bienfaits du sélénium. Aujourd'hui, je vous parle du sélénium. Le sélénium, quelle est son utilité dans l'organisme? Le sélénium est un oligoélément présent en très petite quantité dans l'organisme humain mais indispensable à son bon fonctionnement. Il est connu comme puissant oxydant, mais ses vertus ne s'arrêtent pas là. Voici la nombreuse liste des bienfaits du sélénium. En tant qu'antioxydant, il lutte contre le stress oxydatif, égale vieillissement cellulaire. Le sélénium est impliqué dans la synthèse et le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Il est bénéfique pour la beauté de la peau, ongles et cheveux en agissant en tant qu'antioxydant et en neutralisant les radicaux libres. Il permet de lutter contre les métaux lourds, tels que le mercure ou le plomb. Il est bénéfique pour le fonctionnement du système immunitaire en agissant positivement sur les lymphocytes NK, qui sont des globules blancs qui nous protègent des agressions, ce dont nous avons particulièrement besoin en cette période hivernale. Il prévient les maladies cardiovasculaires. En tant qu'antioxydant, il est utilisé en prévention du cancer. Il est bénéfique pour la fertilité masculine en intervenant dans la synthèse de la testostérone et en protégeant les spermatozoïdes. Il joue également un rôle positif dans le fonctionnement de l'appareil urinaire. Quels aliments contiennent du sélénium? Les aliments riches en protéines animales telles que les poissons, viande et fruits de mer égale huîtres, thon, œufs, foie de volaille, sardines, morue, crabes, crevettes, bœuf. Les aliments végétaux tels que les fruits à coque, noix du Brésil, les champignons comme le shiitake, brocoli, ail, tomate. En Occident, les sols étant très appauvris par les cultures intensives, nous sommes souvent carencés en sélénium. L'idéal est de privilégier les aliments de l'agriculture bio, qui préservent mieux les sols et qui contiennent davantage de sélénium. Il est aussi possible d'envisager une supplémentation en sélénium dans certains cas, en accord avec un professionnel de santé. Et vous, consommez-vous des aliments riches en sélénium? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.